En fait, moi, je suis membre du comité, ça fait 3 ans et demi, je crois. Je me suis joint parce que j'ai toujours adoré le Musée des Beaux-Arts. Je sais que c'est, il y a beaucoup de gens à Montréal qui l'adorent comme je le fais, mais depuis que je suis jeune, je vais dans les activités de famille, les activités familiales où est-ce qu'on faisait des trucs, on bricolait et tout ça. Donc, pour moi, ça a vraiment été une passion que j'ai construite toute ma vie jusqu'à l'âge adulte. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait un comité exécutif, je me suis tout de suite mis à l'idée de vouloir le joindre. Ça m'a beaucoup influencée dans le sens que j'ai appris énormément. J'ai aussi un cercle de gens qui ont une passion similaire à moi. Donc, ça me donne l'occasion de faire plus de choses avec ce que j'aime, donc l'art, d'apprendre avec eux et de continuer à faire comme un genre de... Tu te sens un sentiment d'appartenance avec ce comité-là. Donc, c'est comme ta vie sociale presque parce que, dans le fond, toutes tes activités sont un petit peu en lien avec ce que t'aimes puis les gens avec qui tu le fais. C'est sûr que tu peux élargir ton cercle. C'est sûr que tu vas apprendre à connaître des nouvelles personnes. Puis ces gens-là, ils sont différentes personnes dans la vie. Ils peuvent être avocats, comptables, ils peuvent être juste n'importe quoi. Là. Il y a vraiment un mélange de gens. Donc, c'est une place parce que tu peux vraiment expandre le genre de gens. Mais la passion, tu sais, c'est sûr qu'il y a un intérêt dans l'art à quelque part. Plus ou moins, tu n'es pas obligé de savoir vraiment rien sur l'art pour y aller, mais juste apprécier une des peintures, c'est un bon début. Donc, je pense que c'est sûr que c'est la chose que j'aime le plus. Être impliquée, ça m'a marquée dans le sens que je suis encore plus fan du Musée des Beaux-Arts que je pensais l'être. Je pense que ça va continuer aussi avec le temps. Et toutes les gens avec qui je parle, à un moment donné, la conversation va y aller vers ça.